disparaît tout d'un coup comme ça. Allez, c'est parti, le mec il a cru qu'il allait me donner les bases du Ultimate Team. Ça fait plus de 5 ans que je joue à FIFA, me casse pas les couilles. Allez, c'est parti. Un petit match FIFA en Ultimate Team. Je remercie la Only FIFA si elle accepte cette putain de vidéo. Oui, je les remercie quand même, c'est la moindre des choses. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Découverte de la démo de FIFA 15 en Ultimate Team, les potes. C'est parti, regarde-le. Tête de bide. Wow. Déjà, les couleurs sont vachement vives, sont très belles. On va découvrir un petit peu comment se joue le mode Ultimate Team. Si c'est toujours aussi abusé au niveau des frappes. Allez. Ah, je voulais accélérer d'un coup, mais il a pas voulu. Ce que je pense déjà, première vue, enfin direct là comme ça, c'est le terrain. Il s'abîme. Putain, j'ai vraiment trop du mal à parler, quoi. Faut que j'arrête. Il s'abîme au moment où on joue, donc c'est vraiment génial. C'est super réaliste. Graphiquement, les couleurs sont super vives. C'est super plaisant en fait de vous proposer un gameplay là-dessus parce que c'est vraiment beau quoi, c'est beau. Après, niveau des visages, pour ma part, je vois pas trop de changements. Regarde, tout à l'heure on a vu Messi, je vois pas trop de changements au niveau de FIFA 14. Enfin, faut pas le mentir non plus, faut pas dire ah, c'est une révolution. Non. C'est juste les finitions qui sont mieux abouties, tout comme le terrain qui s'abîme. Il y a les poteaux de corner aussi qui s'abaissent. Plein de trucs comme ça, c'est juste des petites finitions comme ça qui font que FIFA a toujours le dessus pour ma part sur PES. Oh, what the fuck! Putain. Après, je veux pas faire un clan PES vs FIFA. Hein. Moi, si t'as envie de jouer à PES, tu peux faire PES, c'est bien. Hein. Moi, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. T'as le droit de dire que PES est mieux, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais je veux pas créer un clan sur ma vidéo, enfin un débat sur ma vidéo en disant putain, je le sens mal. Je veux pas faire un débat PES vs FIFA, j'en ai rien à cirer. D'abord, j'ai jamais joué à PES de ma vie, presque. La seule fois où j'y ai joué, j'ai dit plus jamais, donc c'est sur les anciens PES. Donc, ensuite, niveau gameplay, pour l'instant, je sens pas énormément de différence. Après, il y a cette fluidité, mais bon, je suis pas en ligne, c'est pour ça. Il a l'air plus fluide au niveau des mouvements, des joueurs, etc. Les L1 triangle, c'est une bonne nouvelle. Il passe plus du tout aussi facilement. C'est mon deuxième match. Premier match, c'était le premier match de coup d'envoi. Là, tu sais, le truc où tu démarres la démo. Allez, on construit. Oui, ça passe les gars, c'est le goal, voilà, j'étais concentré en fait dans mon action, je me suis dit comment je vais la terminer. Et encore j'ai eu de la chance. Cette Fabregas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à première vue au niveau de la vidéo, que ça soit graphiquement, que ça soit au niveau du gameplay. Certes, je peux pas vous proposer un super gameplay. C'est mon deuxième match, tu vois. Faut quand même le temps d'adaptation. Il faut quand même que je prenne mes marques sur ce FIFA. Mais juste au niveau graphique, gameplay, comment les joueurs bougent. Oh putain, comment les joueurs bougent, comment c'est fait, quoi, tout simplement. Comment le jeu est fait. Vous voyez l'herbe, c'est vraiment de l'herbe, c'est plaisant à voir. Au niveau de ces petits ralentis, enfin ces petits zooms sur les joueurs, etc., c'est vraiment pas mal. Ça fait un petit plus au niveau du gameplay en fait. Par contre, il faut quelqu'un qui sorte dessus, les gars là. Il y a quelqu'un qui devrait y être en récupération. Allez, dépêche-toi. Oh, what? Le mec il prend pas le ballon. Ah, bien joué. Le défenseur a superbement bien joué. J'ai pas pu parler, hein. Encore une fois. Frappe de loin et le parpaing. Ou la parade. Au fait, les goals ont été modifiés. Ce qui paraît sont plus forts, etc. Wow, c'est une bonne prise de balle, ça. Tu te fous pas de ma gueule. Ça se fait pas des trucs comme ça. Faut arrêter, là. Donc voilà.
Je sais pas encore, tout à l'heure le goal a fait une putain de bourde. Donc je peux pas vraiment vous dire s'il est trop fort, si c'est amélioré ou pas. Le L1 triangle, vous voyez, il passe pas facile, hein. Il passe pas facile. C'est parce que j'ai fait rond, tu vois, pour mettre la tête, sinon, à mon avis, le défenseur prenait le devant. Mais sincèrement, je peux pas vous dire parce que tout simplement, j'ai pas assez de temps de jeu pour vous dire si vraiment. Ça vaut le coup les goals ou pas. Dommage la petite insertion dans la surface. Voilà. Faut jouer posé les gars. Je sais pas à quel niveau c'est. Oui. Ouf. Ce parpaing qu'il a mis mon pote. Oh. C'est dommage. C'est dommage. Mais si, ça m'étonne pas. Il est toujours sur la jaquette. Hein, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais le mec il est tout le temps sur les jaquettes. Oh là là, ce coup de rein. On sent que c'est Messi quand même. Il a un de ses coups de rein là, dans le jeu, c'est vachement réaliste. Allez, prends-lui là. Il faut que je mette la défense en défense, autre défense, enfin défense tactique, pardon. Je sais pas si vous connaissez cette petite astuce en défense tactactique au niveau de FIFA 14. En fait, les joueurs pressent direct les joueurs. Et ça, c'est super, super, super sympa. C'est parti, allez, pour la deuxième mi-temps. Donc, n'hésitez pas à me dire par commentaire, sincèrement, ce que vous pensez du FIFA 15, ce qui pourrait rajouter, ce qui pourrait améliorer. Ce qui est superbement bien dans le jeu, etc. Les points forts et les points faibles pour vous, d'après cette vidéo, d'après ce gameplay. Et puis téléchargez la démo, quoi, elle est dispo, donc profitez-en. J'espère en tout cas sincèrement que la Only FIFA va accepter ma vidéo. Là, direct, je fais le rendu et tout, je fais en sorte qu'elle soit upload ce soir, que ce soit en privé ou pas, mais que je puisse leur donner le lien. Oh, fuck you! Là, ça sent le jaune. Et il la frappe même pas direct, c'est ouf. Ah, prends-la toi. Voilà, allez. Allez, on sort proprement. Allez, une solution les gars, avant. En tout cas, le terrain qui s'abîme. Mais putain, j'arrive pas à dire s'abîme. Qui s'abîme au fur et à mesure du match. Il y a faute là. C'est juste sublime, c'est super réaliste. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps super aussi. C'est en train de me casser les couilles. T'as poussé trop loin, t'as. Quoi? Il a le contre. Putain, pas mauvais l'ordi. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est vachement. Comment dire? J'ai jamais aimé jouer contre l'ordi, il devine tout ce que tu vas faire, etc. Ah putain, dommage. Allez. Allez, on y va, ils ont fait un petit changement, je crois que c'est Neymar qui est rentré si je me trompe pas. J'ai dû reconnaître sa gueule. Allez. On essaye le long shoot avec Messi. Oh, hop, hop, hop. J'ai dit je vais tenter, voir un petit peu ce que ça donne les long shoot sur Ultimate Team. On sait toujours que les long shoot sur Ultimate Team sont un petit peu abusés. Donc je voulais voir. Oh, c'est quoi ce contrôle dégueulasse. Allez mon grand. Tout à l'heure en fait je voulais vous dire, j'ai joué le premier match, c'était le championnat anglais. Je sais plus où j'avais quelle équipe d'abord, j'avais pas fait attention, je dirais que j'ai commencé, j'étais dans l'euphorie. Oh, je vais jouer à FIFA, tu vois, un peu le truc, normal. Tout simplement l'ambiance du stade était juste énorme. Je crois que c'était Liverpool. L'ambiance du stade est vraiment représentée comme c'est en vérité, quoi. Vraiment. C'est juste un truc de fou. J'avais mon casque et ça gueulait, ça chantait et tout, c'est super cool. Bien joué, je gole. Voilà. Allez les gars. Il fallait un appel au milieu là. Bah oui, mais c'est pas possible. Ah mais excuse-moi. Le terrain il est défoncé quoi. J'espère que la qualité de la vidéo et que YouTube vont pas trop enlever la qualité du jeu. Parce qu'on sait très bien que YouTube. Oui, ça passe. Super. Allez.
Oui, bien joué le goal. C'est pas mal, hein. En plus, c'est vraiment beau, c'est pour la photo. Un superbe plongeon, pardon. Allez, voilà, récupère. Il y a l'air d'avoir des contres assez chelous quand même. Des fois, il se passe des trucs bizarres. Messi, le centre. Ah, derrière. Contrôle, enroulé. Ouh, dommage. Dommage, le goal s'était avancé, c'est pour ça que j'ai tenté l'enrouler. Allez, c'est parti. Allez, mon grand, allez, allez. Quand il veut. Voilà, allez, 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 on presse, on presse, on presse. Je passe en offensif. Felipe Luis. Vous voyez, j'ai taclé, ça fait une putain de marque sur le terrain. Le tirage de maillot est trop bien fait, quoi. Regardez, je sais pas si on va le voir au ralenti. Moi, j'ai vraiment vu qu'il tirait vraiment bien le maillot. C'est vraiment réaliste, c'était pas mal. Putain, on va pas voir le ralenti. On a vraiment, vraiment vu le maillot, en fait, le mec il tire, tu vois. Allez, allez. On y va, Messi, il passe. En puissance. La fameux rond-croix, ça passe, l'enroulé, et ça rentre, c'est d'une finesse. La simplicité. Et puis voilà, tout simplement. Ça fait le 2-0 à la 90e, pour bien les achever. Alors, mon avis, après deux matchs de jeu, je pense que je vais m'amuser sur FIFA 15. En Ultimate Team, je vais me faire plaisir. Il y a quand même un petit temps d'adaptation, mais il n'y a pas énormément de changements comme dans FIFA 13 et FIFA 14, où tu es vraiment sur le cul au niveau du gameplay. Non, c'est plutôt des améliorations encore qu'il y a eu au niveau de... On va tenter le long shoot. Oh putain! Je la voyais dedans. Oh, la balle, elle flottait. Putain! Petit but. Ah non. Donc voilà, ce que je pense, c'est vraiment que je vais m'éclater graphiquement. Il fait super plaisir à voir, à jouer même. Il y a des petits défauts, je le sens dans le gameplay. Genre des contrôles complètement bizarres, des contres chelous. Mais je pense que tout ça, ça va être remanié dans des mises à jour, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Encore merci à l'ONIFIFA. Si elle accepte ma vidéo, je vous dis ciao. Pipis les potes.